Et donc salut à tous, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch et je vous retrouve pour un glitch AFK pour avoir RP et XP en illimité, en solo, en 1.64 et en 1.65. Donc pour commencer ce glitch, il va falloir se rendre dans la description et télécharger la liste qui sera en description. Une fois qu'elle sera sur votre jeu, il va falloir tout simplement la lancer. Donc une fois sur votre jeu, vous faites start en ligne, vous allez dans liste, vous allez dans mes listes favorites et vous prenez la liste que vous venez de télécharger. Une fois dans le menu de l'activité, il va falloir tout simplement lancer. Vous n'avez pas de paramètres à changer. Vous n'avez pas besoin d'inviter d'amis parce que c'est vraiment en 100% solo. Donc voilà, donc en gros, c'est une activité avec pas mal d'activités justement pour vous gagner beaucoup d'RP. Et il y a 20 vagues par activité. Donc cette fois-ci, la liste est déjà faite. Il n'y a pas besoin de vous créer la liste parce que la liste est déjà faite. Une fois que vous êtes dans l'activité, il va falloir bloquer son joystick avec tout simplement un élastique pour qu'il puisse tout simplement bouger le personnage tout seul sans qu'il se fasse virer. Donc une fois que vous aurez attaché votre joystick, vous allez devoir attendre que la mission se lance. Moi j'ai mis le gameplay en accéléré parce que c'était quand même assez long. Mais bon, ça sera quand même rapide, ça va vraiment dépendre des vagues. Il y a des vagues qui seront plus rapides que d'autres. Donc il y a vraiment des vagues où ça va durer longtemps. Vraiment, profitez un maximum de ce petit glitch avant que ça soit patch. Parce qu'il y a pas mal de fois la même mission, donc vous allez gagner pas mal d'XP et pas mal d'argent. Et en plus il y a 20 vagues par activité. Donc vraiment profitez un maximum, je répète, allez dans la description, téléchargez l'activité, vous lancez en solo parce que c'est un glitch 100% solo et vous profitez un maximum. Donc voilà, donc ça va être, c'est pas très rapide, donc c'est assez pratique, vous pouvez faire des choses en attendant et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, la pause de glitch est terminée, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Si jamais vous galérez, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'y répondrai pour vous aider, même si vraiment c'est un glitch super facile. Et encore une fois, profitez un maximum avant que ça soit patch. Et si jamais vous avez d'autres activités qui ressemblent à celle-là ou qui sont un peu dans le même style en AFK et en solo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je pourrais faire des vidéos dessus. Et puis voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.